السلام عليكم ورحمة الله. كنحيي تلاميذ السنة السادسة ابتدائية اللي عندهم ليكزامان نورماليزي، امتحان موحد غدا بحول الله. اليوم بغيت نساعدهم شوية في كيفية الإجابة على الأسئلة ديال لا كومبريونسيون دو ليكري، يعني الفهم ديال النص لو تيكست. هاد لا كومبريونسيون دو ليكري هي واحد الخانه مهمه في امتحان موحد، لان عليها 13 نقطه، بينما كنشوفوا المواد الاخرى بحال لا غرامير، ليكسيك، كونجوغازون، اورتوغراف، اكسبرسيون اكريت، ما نلقاوش شي خانه اللي عليها هذا العدد ديال النقط. اذا على بركه الله نبداو بدراسه النص الاول. بسم الله. دابيتود سليم se lève tôt pour aller à l'école qui se situe à 2 km de chez lui. Alors ici, d'habitude, ça veut dire tous les jours, ça veut dire Salim est habitué à se lever tôt. Il se lève tôt, ça veut dire il se lève à bonne heure. Il se lève avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi il se lève tôt? Il se lève tôt pour aller à l'école. Qui se situe? C'est le verbe se situer. C'est un verbe pronominal du premier groupe et qui veut dire qui se trouve à 2 km de chez lui. Donc l'école se trouve loin de 2 km de là où habite Salim. Chez lui, ça veut dire là où il habite. Chez lui, ça veut dire sa maison. Donc d'habitude, Salim se lève tôt pour aller à l'école. Qui? Ça veut dire l'école, on la remplace par qui? Cette école se situe à 2 km de là où habite Salim, ou bien de la maison de Salim. Alors il faut bien lire le texte pour bien comprendre le texte. Comme ça, nous allons répondre aux questions de compréhension facilement. On ne va pas aller lire les questions de compréhension et après on va aller trouver les réponses dans le texte. Non, il faut bien lire le texte, comprendre le texte et après on va aller voir que vont nous dire les questions de compréhension. Ce matin, donc le matin où se passe l'histoire. Ce matin, il n'a pas entendu le réveil sonner. Ça veut dire, d'habitude, Salim, pour se réveiller, pour se lever, il entend le réveil. Donc, c'est le réveil qui réveille Salim. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, Salim n'a pas entendu le réveil. D'habitude, il entend le réveil sonner et comme ça, il se lève. Mais aujourd'hui, il n'a pas entendu le réveil sonner. Peut-être qu'il a été dormir tard ou bien il y a une autre raison qui a fait qu'il n'a pas entendu le réveil sonner. Ça veut dire, c'est le verbe entendre, mais ici, la phrase est à la forme négative. Elle est au passé composé. Regardez, ici, il y a l'auxiliaire avoir, il y a le sujet, il, ça veut dire Salim, il ici remplace Salim. D'habitude, il entend le réveil sonner. Aujourd'hui, il n'a pas regardé les mots de négation qui encadrent l'auxiliaire. Il n'a pas entendu. Entendu, c'est le participe passé du verbe entendre. Il n'a pas entendu le réveil sonner.
Alors, point, c'est-à-dire, on passe à une autre idée. C'est déjà 8 heures moins quart. C'est déjà 8 heures moins quart. Ça veut dire, il s'est réveillé, il a vu l'heure et il est déjà 8 heures moins quart. Donc, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour aller à l'école, pour se préparer et pour aller à l'école. Surtout que l'école se trouve à 2 km de chez lui. Il sort rapidement de la maison. Donc, il sort de la maison. De quelle façon? De quelle manière? D'une manière rapide, rapidement. Ici, nous avons l'adjectif qualificatif rapide et nous avons ment, rapidement. C'est un adverbe qu'on a formé à partir de l'adjectif qualificatif rapide, rapidement, et on peut remplacer rapidement par vite, l'adverbe vite. Alors, rapidement ou vite, on ne dit pas vitement, on dit vite, tout simplement. Donc, rapidement de la maison. Il sort comment de la maison? Il sort rapidement de la maison. Il sort rapidement de la maison. Pourquoi? Parce qu'il est en retard. Pourquoi il est en retard? Parce qu'il n'a pas entendu le réveil sonner. Enfourche sa bicyclette. Alors, enfourche sa bicyclette, ça veut dire monte sur sa bicyclette. On dit aussi enfourcher un cheval, ça veut dire monter à cheval. Enfourche sa bicyclette et pédale à toute vitesse pour arriver à temps, pour essayer d'arriver à temps. Il fait très attention. Donc, c'est qui fait très attention? C'est Salim toujours. Il fait très attention. Pourquoi? Car, donc, car c'est comme parce que. On va dire ici la cause ou bien la raison. Car il y a beaucoup de circulation à cette heure-là. Donc, il est à peu près 8 heures moins quart lorsqu'il s'est réveillé. Donc, le fait pour sortir de la maison, il va prendre au moins 5 ou 10 minutes. Donc, il est 8 heures moins 5, 8 heures moins 10. Donc, à ce moment-là, à cette heure-là, il y a beaucoup de circulation parce que beaucoup de gens vont aller à leur travail. Arrivé au dernier croisement, ça veut dire lorsqu'il est arrivé au dernier croisement avant son école, le croisement, c'est là où se rencontrent deux routes ou bien deux chemins. Arrivé au dernier croisement, il aperçoit, ça veut dire il voit, il aperçoit un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est non-voyant, qui ne peut pas voir, qui n'a pas la possibilité de voir. C'est un aveugle. يعني أعمى كي أو أعمى أو كفيف أو نستطيع أن نقول أيضا بصير حتى لا نجرحه نقول بصير il aperçoit un aveugle qui veut traverser la rue. Alors, que veut l'aveugle? Il veut traverser la rue au milieu des voitures. Donc, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de voitures et l'aveugle veut traverser la rue. Il veut traverser la rue, oui. Le jeune garçon, on parle toujours de Salim, mais on veut éviter la répétition. Donc, on a utilisé Salim, puis on a utilisé il, maintenant deux fois. On a utilisé il deux fois. Maintenant, on veut, ou bien trois fois, on veut changer un petit peu sans faire de répétition. On va remplacer Salim et il par le jeune garçon. Donc on parle toujours de la même personne, de Salim. Le jeune garçon descend de son vélo, donc de sa bicyclette. C'est des synonymes, vélo et bicyclette. Aide l'homme. Alors aide l'homme, c'est-à-dire aide l'aveugle. Aide l'aveugle à traverser la rue et reprend son chemin. Donc ça prouve que Salim est un bon citoyen. Dès qu'il a vu que quelqu'un a besoin d'aide,
il s'est précipité pour l'aider, même s'il est en retard. Donc il a voulu aider un aveugle qui voulait traverser la rue, même s'il était en retard. Ça prouve que c'est un bon citoyen. Et reprend son chemin, ou bien reprend sa route. Donc son chemin, ou bien sa route, vers quoi? Vers son école. Le voilà enfin à l'école. Donc il est arrivé à l'école. Enfin, il est arrivé à l'école. Mais, les élèves sont déjà en classe. Les élèves sont déjà en classe, ça veut dire ils sont déjà installés, ils sont déjà à leur place, ils sont déjà prêts pour le commencement du cours ou bien de la leçon. Alors, compréhension. Alors, on va lire les questions de compréhension. Alors, première question, donne un titre à ce texte. Ce texte est de quel type ? Donc, on va parler un petit peu des types de textes. Donc, les types de textes, il y a le type descriptif. Descriptif, ça veut dire un texte qui décrit quelque chose, soit un paysage, ou bien un objet, une personne, un animal. On appelle ça un texte descriptif. Il y a descriptif masculin. Il y a le texte narratif, avec deux R, bien sûr, F à la fin. Le texte narratif, c'est le texte qui raconte une histoire comme le conte, par exemple. Il y a aussi le texte informatif qui donne des informations sur un sujet de connaissance, comme par exemple un texte qui parle de l'école, un texte qui parle de la pollution, de l'environnement, de l'énergie, etc. Il y a aussi le texte injonctif qui donne des conseils ou bien des consignes ou bien des recommandations ou bien des ordres au lecteur, comme par exemple la recette de cuisine. Alors, on va voir après quel est le type du texte qu'on a entre les mains. Salim ne s'est pas levé tôt ce matin. Pourquoi ? Donc ça, on le sait déjà que Salim ne s'est pas levé tôt. Il faut qu'on dise pourquoi. Pourquoi Salim ne s'est pas levé tôt? On va voir comment on va répondre à cette question. Pourquoi Salim fait très attention sur la route? Donc Salim, on sait bien que Salim fait très attention sur la route, mais il faut dire pourquoi. Relève du texte une phrase qui montre que Salim n'est pas arrivé à l'heure. Donc ici, nous n'avons qu'à relever du texte une phrase qui nous indique pourquoi Salim n'est pas arrivé à l'heure. Alors, on commence par la première question. Donne un titre à ce texte. Donc, je vous laisse un peu réfléchir. Alors, pour répondre à cette question, il faut écrire le titre que je donne à ce texte et ou bien que je propose à ce texte. Comme ça, je vais répondre par une phrase. Alors, le titre, je commence par la majuscule, bien sûr. Le titre que je donne ou bien que je propose à ce texte est... Alors, moi, je propose le retard de Salim. Parce que ici, le texte parle d'un élève qui est en retard. Le retard, avec D à la fin, de Salim, faites attention, Salim, je l'écris, je commence le nom propre par une majuscule, toujours Salim, voilà, et je ferme les guillemets. Je passe à la deuxième question, ce texte est de quel type? On voit que ce texte raconte des événements, il raconte une histoire, donc c'est un texte narratif. Donc j'écris la réponse, ce texte, voilà,
commence par la majuscule, bien sûr, ce texte. Donc, avec une écriture lisible, ce texte est narratif. Avec deux R, bien sûr, il faut faire attention, narratif. Et je n'ajoute rien parce que ici, beaucoup d'élèves me mettent ici un E. Narratif ne prend pas E, c'est un adjectif masculin. Et au féminin, on dit narrative. Alors, ce texte est narratif. Voilà, je mets un point. Alors, faut toujours mettre un point à la fin de chaque phrase. Alors, après, nous avons Salim ne s'est pas levé tôt ce matin. Pourquoi ? Alors, voilà, tout simplement, je réponds par Salim ne s'est pas levé tôt parce que, voilà, Salim ne s'est pas levé tôt, je n'oublie pas l'accent circonflexe, parce, regardez comment on écrit parce que, ce n'est pas attaché, il n'y a pas de trait d'union, c'est pas avec S, c'est avec C. Parce que, pourquoi, à votre avis, parce qu'il n'a pas entendu le réveil. Alors ici, parce qu'il n'a pas entendu, j'enlève le E, d'accord, et je mets apostrophe parce qu'il y a une voyelle ici, parce qu'il n'a pas entendu le réveil sonner. Regardez, c'est dans le texte. Parce qu'il n'a pas entendu le réveil sonner. Entendu le réveil sonner. Donc, je n'ai qu'à copier. J'ai presque tout copié. Regardez. Salim ne s'est pas levé tôt parce qu'il n'a pas entendu le réveil sonner. Et je mets un point. Pourquoi Salim fait très attention sur la route ? La même chose. Alors, je commence par Salim fait très attention sur la route. Voilà, 4. Salim fait très attention sur la route. Alors ici j'ai mis parce que, maintenant je peux mettre car. Ça, si j'oublie comment j'écris parce que, c'est plus simple de mettre car. Car, alors pourquoi il fait très attention sur la route ? Regardez, il fait très attention car il y a beaucoup de circulation à cette heure-là. Donc, la réponse est dans le texte, elle est bien claire. Alors, car il y a beaucoup de circulation. Beaucoup de circulation à cette heure. À cette heure-là. Et je mets un point. Cinquième question, relève du texte. Ici, je n'ai qu'à relever une phrase qui montre que Salim n'est pas arrivé à l'heure. Il est arrivé en retard. Alors, la voilà la phrase. Le voilà enfin à l'école, mais, l'opposition, mais les élèves sont déjà en classe, donc ils sont arrivés avant lui. Donc, quand il est arrivé au portail de l'école, à la cour de l'école, quand il vient de rentrer à l'école, les élèves étaient déjà en classe. Alors voilà, 5. Alors je mets la phrase. La phrase qui montre
que la phrase qui montre que Salim n'est pas arrivé à l'heure, et j'ouvre les guillemets, le voilà, enfin à l'école, mais les élèves sont déjà en classe, et je mets un point et je ferme les guillemets. Voilà, merci pour votre attention. Donc il faut toujours essayer de répondre par des phrases correctes, par des phrases qu'on comprend facilement, simples. On lit bien le texte avant de commencer à répondre aux questions. Et à chaque fois qu'on a terminé une phrase, on met un point. On commence la phrase par la majuscule, le nom propre par la majuscule. Merci une autre fois et à la prochaine fois.